Alors, ma chère Alexandra, qu'est-ce que tu nous prépares aujourd'hui de bon? Encore des frites? Des crêpes. Des crêpes? Oui, version papy. Version papy, mais c'est toi qui cuisines. Oui, mais c'est version papy, c'est la recette à papy. Ah, tu oses cuisiner mes recettes? Ben oui, c'est toi qui me l'as dit. Bah, t'es une grande chef, hein. Parce qu'il n'y a personne qui n'ose sauf. Personne qui n'ose sauf toi. Voilà. Ça y va, la môme, hein? Que l'énergie. Ah, ça fait les muscles. Ah oui, t'es pas que randonneuse. On va t'appeler muscle, alors. Ça sert à la musculation. Ben oui. Alors voilà, la crêpe, la galette, c'est en haut, puisque pour l'instant, ça va être une galette. Hein. Galette, saucisse. Comme en Bretagne. Ah dis donc, ah ben oui. T'aimes pas le gruyère non plus, Alexandra? Non, pas du tout. Donc ça, c'est la galette saucisse, c'est ça? Ouais. Donc, on va la mettre un petit peu au chaud. Un petit tour de moulin à poivre. Ah, t'as raison. Et voilà. Eh ben, y a plus qu'à mettre au chaud. Ouais. Merci, madame. Merci, madame. Vous êtes une vraie bretonne crêpière de où? De Pont-Aven. Tu nous as fait les galettes de Pont-Aven, c'est ça? Ouais. Ah bah voilà. De papy. De papy. Ma chère petite bretonne du jour, à tes crêpes, merci, merci. Évidemment, qu'est-ce qui boit encore le papy? Ah bah évidemment. La nef. Alors t'as dit tout à l'heure, parce que t'es quand même une saloperie toi, tu m'as dit t'as bafouillé papy parce que t'as pas ta dose. Dis que c'est faux. Hein, que t'as dit ça? Je ne dirai rien. Ah, l'autre innocente, hey, t'as une couronne derrière la tête, on dirait une scène. Une petite auréole. Non, pas une scène, une sainte. Tu vois que tu dis des conneries, papy? Ouais, tu quand t'as pas bu. Mon... Ah, tu l'as dit, je l'ai. Ça y est, c'est dans la boîte. À ta composition, et dis-moi, si moi je peux manger, et si c'est assez bon ou pas. Ma belle Alexandra, ta bonne galette, la saucisse, au nom de Dieu. Dix sur dix. Tu peux tenir une friterie, une boucherie, parce que tu as fait les tournées d'eau, et une crêperie. Bravo! Alors, ma chère Alexandra, on vient de se régaler avec tes galettes saucisses, là, c'était quelque chose. Hein. Et là, maintenant, on passe aux crêpes sucrées. Oui, aux crêpes sucrées. Aux crêpes sucrées, ça va être quelque chose aussi, ça. Ouais. Ça sauve les skieurs. Donc, bah, il y a de la. Comment ça s'appelle? La Panta Milka, Pata Milka, c'est ça? Ouais, la Pata Milka. Et puis l'autre, c'est. Bon. Du chocolat, du Sunday chocolat. Sunday choco. Parce qu'on aime bien le chocolat bif, hein. Voilà, le chocolat et le fromage, c'est toute la vie. Ah, tu mets du fromage ou du chocolat? Non, c'est toi. Oh, tu m'as fait peur. Alors, voilà. Voilà la crêpe sucrée. Donc, celle-là, ça va être la mienne, hein. Et puis, la celle d'Alexandra, elle est en train de cuire, hein. Finalement, la vie est belle. Ouais. On va pas se plaindre. Ouais. De toute façon, quand on se plaint, qui t'écoute? Pas. Personne. Je sais pas. Personne. Moi, je m'écoute. Ah, c'est bien. Ah oui, moi je jacte tout seul et toi tu t'écoutes toute seule, c'est voilà. Bien. Des fois je me parle à moi-même. Hein. Ah bah t'es. Ça me permet de mieux réfléchir. Voilà. Donc ah oui, t'es bien la petite fille de l'anarchiste qui jactait tout seul. Il n'y a pas de souci. Ça fait pas beaucoup ça. Mais deux secondes, c'est pas fini. Eh, m'engueule pas là. Hein. M'engueule pas la crêpière. Hein. T'aimes pas le chocolat, toi? Non, pas du tout, même. Ben, je me demande pourquoi j'en ai pris, alors. Je me demande aussi, hein. Parce que moi non plus, j'aime pas ça. Oh, dis donc. Oh, punaise. Oh, quelle crêpe. Hein? Ouais. Bon appétit. Merci. On parle pas à la bouche pleine. T'as jamais dit ton père, on claque pas de la bouche.
C'est pour ça que je le fais chier sur tous mes films. Il le sait très bien. J'aime bien quand tu joues ta sérieuse. Ça fait classieux, je trouve. Parce qu'en fait, t'es pas sérieuse du tout. Pas du tout. C'est l'air que tu te donnes comme ça. C'est encore tes airs de secrétaire médical, ça. Hein? Ouais. Oh, tu ferais peur. Tellement que t'es sérieuse, tu ferais peur. Donc voilà. Ah ben, après, le chocolat, c'est la fraise. Alors, c'est la fraise de quoi? C'est marqué quoi sur ton pot, là? Fraise de Dordogne. De Dordogne? Ouais. Ah ben, dis donc. Donc, chocolat, fraise. Ah ouais, tu te prépares un beau diabète pour plus tard, toi? Exactement. Mais comme t'es sportif comme ton papy, t'auras rien, parce que moi j'ai rien dans mes analyses. Ils y comprennent rien d'ailleurs. Les médecins, les laborantins, les biologistes. Et mais il a rien dans son sang. Ben non, c'est pas du sang, moi. Hein. C'est de la bière, déjà, pour commencer. Donc il n'y a rien qui tient dans la bière. Fais-nous un pliage, là. Un pliage de crêpes. À la Alexandra. Rod. Rod, dis donc. Bravo, hein. Bon appétit. Ben toi non plus.